Salut Marie, on se trouve sur MotoGP 15 pour la suite de la carrière suivie. Et on est en Moto 2 toujours, hein. Quatrième au général avec 52 points de retard. On va voir si on va réussir à remonter. Je sais plus du tout où on en était, ça fait assez longtemps que je passe un épisode. Au 13ème round pour Misano. Et on va aller tester ça. Voir si ça va mieux rouler que la dernière fois parce que c'était assez la catastrophe. Démarrer la course, c'est bien ce qu'on veut, et puis on l'a, on s'en pro toujours avec 25% de la course réelle. Aujourd'hui, je vais autour des 15 seuls épisodes, hein, d'habitude j'en fais deux comme je dis souvent, parce que j'ai pas trop le temps, je suis un peu à la bourre. Dans mes vidéos en ce moment-là, avec les fêtes qui arrivent, etc., je suis un peu à la bourre, oui, comme je disais. Puis en plus, il y a les skins de la MT Factory à faire en ce moment, et, j'ai trop de trucs à faire. Bienvenue sur le circuit de... Mais j'essaie de vous faire des vidéos quand même, parce que c'est... Principal. What? Pourquoi j'ai plus mon casque? Pourquoi j'ai plus mon... Non, il y a dû y avoir une mise à jour de MotoGP. Et j'ai plus mon... Non! Ah mais j'espère que je vais pouvoir le retrouver. Oh, je suis tellement dégoûté. Non! Oh, tant pis. Oh mais non, c'est moche, ça. C'est horrible. Magnifique cache. Je sais pas si j'ai enregistré quelque part. Normalement, oui. Parce que je l'ai amené, j'ai le PSD qui doit traîner quelque part. Faudrait que je le remette dedans pour le prochain épisode. On va mettre ça là, il nous reste un pack de données à mettre. Allez, châssis, on aura presque la moto à fond comme ça. Et on va tout de suite faire cette petite qualif. Et voir ce que ça va donner sur ce track de Misano. Misano, Mina, je sais pas. Sur piste humide, et oui, tout de suite, c'est tout de suite plus dégueulasse avec un casque comme ça. Forcément. Oh non, je suis tellement dégoûté, vous pouvez pas savoir à quel point. Je l'ai mis mon petit casque. Petit casque peinture perso, faudrait que j'arrive à le remettre quand même. Parce que là ça fait moche. J'ai même plus le logo du team, j'ai plus rien, il y a dû avoir une grosse mise à jour. Et il y a tout viré. Saleté Milestone. Pourquoi ils mettent à jour leur jeu? Enfin, pourquoi? Oui, c'est bien. Mais d'habitude, ils mettent jamais à jour leur jeu, donc c'est un truc qu'ils nous avaient jamais sur MXGP parce qu'ils ont jamais fait de mise à jour ou une seule de rien du tout. Du coup, là, je suis un peu dégoûté quand même. Mais bon, si Milestone commence à mettre à jour leur jeu, c'est peut-être pour ça qu'il pleut là sur le track où on est. Ils sont pas réputés pour ça, ces petits. Ouais, par contre, je suis pas rapide non plus. Une seconde de retard, là. Avec la pluie, c'est pas évident qu'on a plus l'habitude. Mais bon. Ça, MX souhaite de jouer qu'une fois... tous les 15 du mois, un jeu. On perd vite la main. Oh, le freinage. Non, ça passe pas. C'est obligé que ça n'ait pas passé. Bon, on va essayer de se reconcentrer un peu plus et de pas penser à ce casque. Ça va être compliqué, mais on doit y arriver. J'essaierai de trouver un autre qui ira mieux avec la moto de tout à l'heure, hein, avant de prendre l'autre course. C'est vraiment un truc que... Je m'y attendais pas, mais on va essayer de rouler à fond. Bon, au moins, il pleut. Donc on va pas se retrouver avec des pneus complètement usés. C'est un bon point. Ce qui me fait défaut sur ces dernières courses, hein. Les pneus, j'arrive pas à conserver. On va juste faire gaffe au freinage du coup. Hein. Parce qu'on peut se retrouver avec des sales freinages. Et le freinage sur piste humide, vous savez que c'est pas mon fort. Hein. Depuis, je sais plus, ça fait combien d'épisodes, une quinzaine. Une petite quinzaine, je crois que je vous fais de MotoGP. Quand même, hein, ça commence à tenir. Hop, à fond. On est un peu plus proche tout à l'heure, on avait une seconde, là on a plus que 4 dixièmes. Ça se passe un peu mieux. Bien, essayer de rester sur les parties sèches, même s'il n'y a pas beaucoup, je vous l'accorderai. Mais il faut essayer de rester dessus. Parce qu'on perd du temps, mais je sais qu'on peut en rattraper du coup dans la chicane d'après. Bon. Vous savez quoi?
Non, 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 retour au stand. On va pas se faire ses qualifs, parce que c'est déjà mal parti. On va aller faire directement la course. Je sens bien, pourquoi je sens bien que faire directement la course, partir dernier, c'est le bon plan. Et je sens que je vais vous faire une remontée de folie. Je le sens bien là, c'est pas... Je crois que j'ai un peu trop d'espoir quand même. Bienvenue aux fans qui... Il pleut plus déjà. J'ai un bon point. Vous voyez, forcément on part dernier. On va faire une petite remontée comme avant. On a encore les pneus de pluie par contre. Mais il pleut plus. Il pleut plus. Au moins on va pouvoir rouler sur une piste qui va sécher au fur et à mesure. On va s'amuser à faire des petits dépassements au début déjà. Excusez-moi. Krummenacker. Krummenacker. Ou je sais pas. Faut juste faire gaffe en doublant en fait. Il est déjà remonté. Combien? 17. Ça remonte tranquillement. 18. Putain, je me suis fait distancer dans ce virage. Abusé. Ouais, je vais les rattraper normalement. Ah, c'est ça de vouloir me rentrer dedans en chute. Schrotter. Je sais absolument pas comment on se prononce les noms. Les mecs, ils doivent hurler derrière leur PC. Non, ça se dit pas comme ça. Moi, je les appelle comme ça. Et si je les appelais comme ça, je les appelle comme ça. Je fais ce que je veux. Non, tu me fais pas tomber, toi. C'est interdit de faire tomber MX, ouais. Surtout quand il y a un peine de remonter comme ça. Certains diront MX, ouais, change de difficulté, tu remontes trop facilement. Je sais, moi ça m'amuse. 11e. Hop, le petit freinage au calme. Ouh, ça, heureusement, je l'ai pas touché. Ça va plus mal finir pour moi. À fond, gaz. Et je fais l'intérieur. Ah, aussi. Et ouais, 3 places de gagnante de chicane, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau. Ouh, on passe dans le top 10. On va aller chercher le podium hein, comme à chaque fois. Ou frère. Non, mais. Forcément, il me rentre dedans, il me fait stresser comme ça, lui. Ça y est, assez de tours au moins. Il m'a fait stresser en me rentrant dedans, j'ai refreiné encore plus. Ah non, ou c'est... en plus, il repleut quoi. Du coup, on n'aura pas une piste qui va sécher. Hein. Mix, ouais. Oh là là, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Allez, on se concentre parce que là. Vraiment, faire comme si on roulait sur des œufs. Fais gaffe au passage de vitesse en fait, c'est ça hein, qui. À chaque fois, chute. Ah non, j'ai voulu essayer un truc, mais non, je peux mettre plus de poids sur l'arrière, mais en fait, on part direct en wheeling. J'y ai pas bon aussi à ça. Allez, mix, ouais. Joue bien avec ta manette. Doucement sur les gâchettes. On met pas les gaz à fond, ça sert à rien. Cette IA. Bon, je sais, j'en fais un peu exprès là, mais. Enfin, exprès, non. Je m'y attendais un peu quand même. Bon, ça s'annonçait compliqué cette course.
me suis vu un peu trop sûr de moi cette course. Podium qui va s'éloigner pour rien. Freine bien en ligne droite. Enfin en ligne droite. Pas trop penché. Ça ne sert à rien. Maintenant cette galère à monter. Hein. Sinon on a du retard. On va pencher maintenant. Pouh, ce virage. Ouais, par contre là faut freiner. Il était pas beau le virage que j'ai pris juste avant. J'ai penché mais juste au bon moment. J'ai trop bien viré. Plein gaz, je faisais que j'étais pas serein non plus quand je passe sur le livreur, mais c'est passé nickel. Je peux encore faire ça tous les tours qui arrivent. Ça sera top. Allez. Accélère à bloc. Parce que là on a des places à remonter, hein. Désolé si je parle pas beaucoup, mais j'essaie de me concentrer un peu. Déjà que je suis pas super bon sur MotoGP, alors en plus quand je me mets des défis comme ça de partir dernier pour remonter. Sur piste humide, bien sûr, parce que sinon c'est pas marrant. C'est qu'il faut que je me concentre quand même. Parce qu'il y a quand même moyen de remonter à mon avis. Allez, on fait à celui qui freine le plus tard. Ça a été moi, j'ai gagné. On veut pas lui faire à celui qui accélère le plus ou quoi. J'essaie de redresser un peu plus la moto quand je freine, éviter de freiner complètement couché. Je sens que ça parte, hein. Ça c'est vraiment comme dans la vraie vie. On se retente le virage ou quoi? Maintenant. Pouh, il passe trop bien, par là faut freiner. Faire gaffe en doublant maintenant. C'est pas le moment de tomber, mais ouais. Fais une belle remontée. Hop. Déjà, je recolle au paquet, c'était plus dur. Enfin, le paquet, non, il y a encore un paquet devant. Ouais, ça va être tendu, moi, je vous le dis. Et puis le pneu forcément qui s'use. Pourquoi ça s'use sur la pluie les pneus? Non, ça devait pas s'user. Je freine un peu fort en fait. Pour une fois que j'ai pas pris tout à l'intérieur, hein, c'est pas mal. Hop là, place gagnée encore. 15ème, ça va, on remonte. On va faire gaffe aux pneus avant maintenant. Pas que je joue avec le feu non plus. C'est pas ce virage qui se prend à fond à Mixway. Ouais. C'est pas lui. C'est celui-là. Vous êtes prêts? Ouais, je penche un peu tôt. C'est pas grave, ça passe quand même. Prends lui. Oui, je sais que t'as usé pneu avant. Mais je sais pas faire sans. Enfin, sans pneu, c'est vrai que c'est un peu dur, mais sans user mes pneus, j'ai du mal. Allez, faut que je descende. En deux tours, c'est tendu. Hein. Moi, on est revenu dans les points. 13ème. Vu que les 15 premiers marquent des points. Faudrait pas chuter maintenant, en fait. Ça serait un peu con. Juste que j'arrive à doubler les deux là sans trop de soucis, ce serait sympa.
Wow. Je fais de la merde, mais... Puissance 10 000, ça... Yeah, bon, faut rattraper le peloton devant, c'est dur. Hein. C'est bien, bien la galère, moi, je vous dis. Et j'éviterai de recommencer ce genre de défi, hein. Je vous rassure, de pas dire pas faire le calife, parce que je chute deux fois. Parce que je suis à la bourre dans mes vidéos, qu'il faut que je pèse la qualité. Bon lieu de bonsoir, Mixway. Je fais des trucs de malade des fois. Je suis un peu un thug dans ma vie. C'est passé. Je vais même pas lâcher là. Est-ce qu'il faut vraiment que je rattrape? Et ça a pas mal marché quand même. Parce que je les ai bien distancés derrière, au moins ils me feront pas chier, j'ai bien rattrapé devant. Enfin bien, j'ai diminué de moitié, je pense, Kaka. Non ! C'est chute, MXWay ! On se croirait dans MX Simulator. Et puis ça freine plus, là. Je fais vraiment de la merde dans ce cours, je suis vraiment désolé. C'est juste horrible à me regarder, à mon avis, hein. C'est le dernier tour, bordel, tu vas pas finir 20ème à cause du dernier tour, quoi. Ouais, toi, il me fait ma 15ème place. Ah, j'en ai marre quand je joue comme ça, quoi, c'est dégueulasse. Oh, je suis vraiment désolé, là. S'il reste un point, à mon avis, je viens de perdre le podium à cause de ça. Je suis tellement boulé des fois. C'est ça de jouer sans rewind. Pourquoi j'accélère comme ça? Oh, j'en ai marre de... Ah voilà, je vous ai dit, j'avais fini un 20ème au dernier tour. Ouais, 20ème. C'est horrible. J'ai l'impression de rouler comme James Stewart, quoi, à partir devant et badaboum. Badaboum, boum, boum, boum. Allez, forcément, ils ont déjà fini, oui. Il me reste un virage, je vais encore chuter, non, dans le virage. Là. Bah, je vous l'avais dit, non. De toute façon, que je finisse 19ème ou 25ème, ça change rien, on a pas de points. Donc... Bon, MXWay. C'était moche, hein. C'était bien, bien, bien moche. Les vainqueurs... C'était même horrible, je dirais. Bah, que t'es dégoûté. C'est le casque, il m'a fait ça. C'est le casque, je vous dis, c'est le casque. On va tout de suite aller changer. Changeons de casque. Équipement. Casque, il est trop moche. S'il vous plaît, j'en veux un autre un peu mieux. Cette fois, je prends un tout noir classique. Soit je prends un truc pas trop trop moche. Ça, c'est moche. Allez hop. Hein. Noir et rouge. Classique. Hop, 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 course, oui, oui, je vais à la course à Aragon. Grand Premio, Movistar de Aragon. Vous avez vu, je parle trop bien. Espagnole. Parce que oui, nous allons en Espagne. On va essayer de faire un peu mieux. Normalement, il fait beau en Espagne déjà, c'est le bon point. Ah, regardez les photos. Ça veut tout dire, les photos, ça veut tout dire. Bienvenue. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas dans mes circuits favoris non plus, les derniers. Le casque fait un peu mieux quand même, hein.
T'as un verre tout dégueulasse là. En fait, pour être bien, il faudrait que je gagne toutes les courses jusqu'à la fin là. Fais pas le fifou non plus. Fais pas le fifou, MX. Oui. Ouais. Je préfère mon autre casque, hein, mais bon, c'est moins dégueu que le verre. Déjà, ce virage-là, il passe bien, pas rien. Petit virage à gauche. Merde, j'ai oublié de mettre la dernière. Faudra que je pense à mettre le dernier pack de données. Pour mes freins, je crois. Merci, on me gêne pas. J'ai une pôle à aller chercher, moi. Ce petit transfert de le poids hier, j'ai bien aimé. Allez, à fond, MX. Ouais. Ah non, il y a le virage que j'aime pas. J'ai horreur de ça, les virages en dévers comme ça. Surtout sur la MotoGP, quoi, vu comment ça glisse. À fond. Mais je m'en rappelle. C'est pas celui où on... Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. J'ai perdu... bêtement en glissant dans une chicane. En moto 3, mais non, c'était pas lui. Eh, MX, ouais. Je vous dis, j'aime pas les virages en chicane, ça glisse. Je m'en fous, je le ferai juste à temps d'avoir la pole. Là, sur le virage là, on peut gagner masse de temps. Pas en sortant comme ça, hein. En sortant sur la piste, mais au moins on gagne carrément du temps. Le problème, c'est qu'il y a l'IA qui va me gêner un peu. Faites pas les fifous, l'IA non plus, hein. Hein? Moi, je suis gentil avec vous. Enfin, plus ou moins gentil avec vous. Donc vous êtes gentil avec moi aussi. Ouh, déjà, je suis plus rapide que tout à l'heure. Parce que j'ai ce virage-là passé quand même. Je vais chercher loin comme eux. Pour revenir à l'intérieur. Quand même ça. Heureusement qu'on ne fait pas sous la pluie. Hein. Parce que lui, je vous parle pas de lui sous la pluie. Hein. Ça doit être quelque chose. Alors là, on se méfie parce que le virage. De... Tous les virages sont en dévers maintenant. Vraiment freiner tôt. Le pire, c'est que lui, il a pas l'air méchant comme ça hein, quand on le voit hein, où j'ai glissé tout à l'heure. Mais oui, c'est un petit fourbe. S'en fout, on peut accélérer à fond, là, ça glisse un peu, mais c'est pas grave. Allez... Par le freinage, il va faire mal au bout, là. Il va faire mal, je vous dis. Pleine balle. Allez, dis-moi que j'ai la pole, dis-moi que j'ai la pole, dis-moi que j'ai la pole. Non! Oula, je remets play ou pas? Pouf! Oh. J'avais pas vu qu'il avait freiné. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Par combien du coup? Quatrième, ça va encore. Ça va encore, mais bon maintenant, faut les gagner, ça ne rigole plus, MX. Ouais. Si tu veux remonter au classement général. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. C'est parti, les amis!
Partie mon kiki, je dirais même plus. Ouais, 6 tours, ok, ça marche. Faut se taper 6 tours sans chuter maintenant. J'ai fait ma course de merde de l'épisode, maintenant je suis censé faire une bonne course. Est-ce qu'on faisait déjà me distancer des points virages, ça va le faire. Wow, tu passes où toi? Permets? Merci. Là, ce virage là. C'est pareil à mon avis. Non, use pas les pneus s'il te plaît. Enfin, en arrière tu peux, pas l'avant par contre. Hein. Attention au virage que t'aimes pas là. Oh bah oui, forcément, faut que je prenne encore plus intérieur sur... Ah, ça m'énerve. Pas le monde sur le fifou maintenant. Même eux, ils dérapent. Hein. Désolé, il fallait que je passe. Oui, je vais avoir un gameplay horrible pendant toute la course, hein, je vous préviens tout de suite. Au moins, vous serez. C'est vrai. Parce que là, faut que je remonte. Pas le choix. J'en ai plus rapide que moi. D'ailleurs, je suis un peu à fond. D'où tu voulais me doubler, toi? On prend en toi. Merci. Il fallait que je passe. Alors là, on sert pas trop à l'intérieur non plus, hein. Faut pas abuser. Prendre bien là, voilà. Là, tu peux prendre un peu large, si tu veux même. Voilà, tous les tours comme ça, ce serait bien. Je peux pas perdre trop de temps. Je passe où, moi? Intérieur. Ok, pour l'intérieur. Heureusement que j'ai accéléré. J'ai accéléré sans me mettre dans la bulle. Pourquoi encore ce virage? Ah, oh, ils sont chiants, il n'y a aucune adhérence sur ce track. Track de merde encore. Quelle idée de mettre du sable sur la piste. Je suis sûr, il y a quelqu'un qui a un complot contre moi là. Quand ce virage quoi. J'ose pas imaginer ce que c'est en vrai de rouler sur un track comme ça. Les pertes d'adhérence qu'il y a des endroits, c'est juste abusé. Ils vont tellement chercher la limite que... Zarco, forcément, il met le meilleur temps autour. Moi, je chute à tous les tours. Comment vous voulez que je fasse le meilleur temps autour? C'est pour chuter tout le temps et à chaque fois devoir remonter. Ça sent l'épisode de merde quand même, hein. Allez, 11e. Il y a encore moyen de le faire. Il y a encore 3 tours et demi. Il était pas dégueu le virage là. Il était pas dégueu.
Et un peu plus, certes. Ah bon, accélère au bon moment en fait dans ce virage. C'est dégueu lui par contre. Alors là, on ne glisse pas mix, ouais. En fait, faut vraiment freiner super tôt dedans. Faut qu'il devient folle. Au niveau des pneus, ça va, on s'en sort pas trop mal pour le moment. Là, on est très loin derrière. Il était beau lui par contre, il était beau. Une 54, ouais, je suis loin du meilleur temps autour. En plus si je roule pas à mon plus haut niveau, ça va le faire. Je te dis pas de faire une chute générale devant là, ça existe pas ça en MotoGP? Où ils chutent tous et moi je finis comme ça, je gagne. Ça va être galère à la remontée. Hein. Parce que là, je cravache, mais il n'y a personne à doubler. Je fais de mon mieux. Hein. Toki devient un folle et complètement cabré. Il faut que je pense à prendre le screenshot. Ouais. Chaque fois ça glisse là. Il était déjà plus beau le virage là. On freine tôt. C'est pas avoir trois fois, mais bon, comme on dit, jamais 203. À la fond. Bon, on va pas prendre de risque pour le screenshot. Hein. Caméra libre. Alors, on verra bien que je suis bien tout seul. Hop, disparaissez. Allez. Merci. À fond, chat, à fond. Et j'ai pas rattrapé un. Hein. Un tour dans le vent. Merci, Mixway. Est-ce que j'ai strictement rien rattrapé? Est-ce que j'ai amélioré mon temps autour au moins? On va voir ça tout de suite. Oh oui, je suis descendu à une 53. Bon, toujours pas le meilleur temps autour. Enfin, encore de course. Ça double derrière, mais on s'en fout. Merci Mixwell pour ce freinage merdique. A chaque fois que je me fais avoir dans ce virage, je vais prendre trop vite le premier. Bon, bah ça aurait été un bel épisode de merde. Hein. Je suis décidément pas un joueur de jeu de MotoGP. Hein. Il y a trop de bitume pour moi ici. Hein. J'aimerais au moins être dans le top 10, quoi, ce serait sympa. Mais ça va être dur, hein. Vu comment il roule devant là, j'arrive pas à les rattraper. Pourtant je fais de mon mieux là. Allez, oh, ouais. Vraiment un tour, que des tours dans le vent. Hein. J'aurais tape dixième par dixième, il faudrait une soixantaine de tours pour les rattraper comme ça. Une course en 100%. Oh, c'est pas grave, hein. C'est cher, c'est pas la fin du monde.
dernier tour. Ouais, au moins avoir sa place. Plus loin de 5 dixièmes par rapport à tout à l'heure. On va essayer de pas se faire avoir au virage là-haut. Le premier, faut pas le prendre trop vite. Maintenant. Voilà, Mix, ouais, c'est pas compliqué. Juste, tu l'as bien rattrapé du coup. Là, c'est pareil. Hop. Ce dépassement, MX, ouais. Pourquoi j'ai pas fait ça au tour d'avant? Bon, par contre, là, forcément, il allait me repasser devant. Pas chuter. Pousse ta brêle. Avance avec ta brêle. On va prendre, essayer de prendre plus large. Ah, presque. S'il te plaît, je voudrais ta place. Ça sera trop te demander. On va même pas avoir la dixième place, quoi. Attends, je roule à fond. Allez, tu vois, je dois enlever le virage. Oh, j'ai creusé un trou derrière. La minimap, c'est juste impressionnant. Oui, je l'ai eu dans le virage. Je t'ai doublé. Bon. Ouais, je t'ai doublé, mon dixième place, quoi. Je veux dire, pas de déplace au général, à mon avis, si je n'ai pas déjà perdu. Pendant que les vainqueurs... Quatrième... Bah ça, j'ai un peu d'avance sur le cinquième, mais bon, il y a 40... J'ai 42 points de retard sur Rab. Il va être dur ce podium, il va être dur. Hein. La victoire, c'est sûr, là, c'est sûr, c'est mort. Et le podium, ça va être dur. Hein. 40 points de retard sur Rabat. J'espère que les prochains épisodes seront meilleurs parce que là, c'était un peu dégueu, hein, on peut le dire. Du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes parce que je pense pas vous revoir avant. Du coup, bah, profitez bien de votre famille et des fêtes. Mangez pas trop. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. C'était MXWay Gamer. Riding peace.